Mesdames, Messieurs, bonne journée. J'ai le plaisir de recevoir à mes côtés pour le début de l'émission le propriétaire ou le copropriétaire d'un nouveau commerce à Thetford. Un commerce qui fait fureur depuis le début du mois de décembre, je peux vous le dire. La nouvelle boulangerie, vous savez, la boulangerie La Réserve qui est ici sur la rue Notre-Dame. J'ai le plaisir d'avoir le boulanger, hein, c'est bien ça, oui, c'est ça. Francis-Olivier Caméré. Alors, bienvenue à Thetford, Francis. Quand je dis copropriétaire, parce que tu es en association avec ta conjointe. Oui, c'est ça, on est moitié-moitié, ma conjointe. Alors, c'est Jeanne? Jeanne Allen. Jeanne Allen. Oui. Donc, Francis, toi, tu es boulanger depuis combien d'années? J'ai commencé début des années 2000. Ah bon? Oui. Alors, on est en 2020, donc ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans, ouais. Donc, tu as commencé très jeune. Oui, oui, quand même. Là, j'ai dit, depuis le début de décembre, hein, c'est ouvert? Oui, on a ouvert le 3 décembre. Le 3 décembre. Oui. Mais tu t'es fait connaître l'été passé. Oui. Conte-nous ça un peu. Et pourquoi tu t'es envenu à Thetford, là, tout ça? Là? Oui, bien, dans le fond, vite, vite, on avait une boulangerie, nous, à Trois-Rivières. On a décidé de vendre nos parts. Fait qu'on cherchait un endroit pour aller s'établir, pour se repartir une nouvelle boulangerie. Puis quand on a contacté ici, on a contacté Héritage Centre-Ville, la MRC qui nous a beaucoup vendu le marché, puis qui, ça faisait longtemps qu'ils cherchaient une boulangerie pour venir au marché, puis la SDE. C'est ça. Là, tout de suite, on a vu que c'était une belle opportunité en faisant le marché de se faire connaître. Fait qu'on a décidé de venir faire le marché, mais là, on produisait à Trois-Rivières, puis on venait vendre ici, puis c'est ça, le temps de vendre notre maison, d'acheter une maison ici, puis de déménager toute la petite famille pour venir... Puis d'installer la nouvelle boulangerie. Exactement, en même temps. À quel endroit, très précisément? Je disais pas loin d'ici, mais... On est au 103 rue Notre-Dame-Ouest. Et c'est dans l'ancien local de la Longerie. Exactement, ça. C'est ça. Ben, une partie. Oui, c'est ça. On a à peu près deux tiers d'un côté, puis un tiers là, qu'on n'avait pas de besoin, qu'on trouvait que c'était grand un petit peu là, pour se partir au début. Fait que c'est ça. On a pris le côté droit de la Longerie. Oui. Alors là, depuis le 3 décembre à Thetford, on a enfin une vraie boulangerie artisanale. Oui, puis c'est artisanal. Toi, t'es et moi, de mémoire, là, je pense que c'est la première fois qu'on a ça à Thetford. Oui, bon. Je sais pas si tu l'as fait dire, mais... Oui, je me suis juste fait raconter qu'il y avait une Allemande qui produisait... Effectivement! Ben, tu sais, j'ai pas connu, moi, oui. C'est sûr. Elle vendait, je sais pas, elle était située où exactement, mais oui, elle faisait un pas pain loin plus... d'ici. Oui, c'est ça. Et là, vous autres, en ouvrant le 3 décembre, là, j'imagine que le mois de décembre a été... On a ouvert en pleine effervescence, oui, c'est ça. Le mois de décembre a été fou, là, un peu en partant, mais on avait tellement hâte d'ouvrir, on prévoyait ouvrir avant. Mais c'est sûr que les travaux, ça avance jamais aussi à la vitesse qu'on veut, même si ça a bien été, mais tu sais, c'est ça. Quand on a ouvert, là, on a tombé dans le bouillon un peu des fêtes. Fait que ça a été un bon début et puis une bonne pratique. Moi, je peux te dire que le 24 décembre, à 10h15, quand je suis allé chercher la commande qu'on avait demandée quelques jours auparavant, là, j'ai fait la file. Ouais. Et il y avait trois dames là, qui étaient là. Et puis, ils flornaient pas, eux autres. Non, ça y allait. Quand je suis parti, moi, la file était aussi longue en arrière de moi. Là. Ah oui. Alors, j'imagine que ça, c'était une moyenne journée. Là. Oui. Ah non, le 24, c'était fou. Ça a été une très, très grosse journée. Puis, on voulait, tu sais, c'est dans ce temps-là, tu veux bien paraître aussi. Hein, c'est tes premiers contacts avec les clients. Tu sais, tu veux que ton pain soit le mieux possible, puis ta viennoiserie aussi. Fait que, tu sais, c'est des bonnes pratiques là, pour bien commencer. Oui. Oui. Là, la boulangerie, vous êtes établie, pas de problème. Vous êtes au 103 Notre-Dame-Ouest, là, dans l'ancienne allongée. Les gens peuvent aller chercher du pain. Quel jour? Quelles sont les heures? Nous, on est ouvert du mardi au samedi. Dans le fond, du mardi au vendredi, on est ouvert très tôt le matin. On marque pas d'ouverture. Oui, c'est écrit sur la... De l'aube à 17h. Fait que moi, dans le fond, on commence à sortir des choses, mettons, vers 6h le matin. Fait que la porte est débarrée. Si des gens veulent venir chercher un café ou un truc qui est prêt, un croissant, une chocolatine, puis aller jusqu'à 17h. Puis le samedi, on ferme un peu plus tôt, on ferme à 13h. OK. Ouais. Et là, toi, tu es en association avec ta conjointe, là, Jeanne Allen. Oui. Est-ce que vous êtes... les deux seuls employés actuellement, vous faites tout, là? Là, on fait tout, présentement. Moi, ma blonde est pâtissière. Elle a bien hâte de commencer à faire un peu de pâtisserie, mais pour le moment, elle n'a pas le temps parce qu'elle fait beaucoup service de services. Service à la clientèle, ouais, c'est voilà. Ça. Mais il y a quelqu'un qu'on a connu au marché, Caroline de Jardinerie du Canton, qui nous aide.
Puis c'est une chance, parce que c'est une fille de notre âge qui est habituée déjà avec le monde. Ben, tout c'est elle qui était à la caisse le vendredi. Ça se peut, ben, c'est ça, il y a plein de monde qui la connaît déjà. Fait que, tu sais, c'est le fun d'avoir quelqu'un tout de suite là, qui est à l'aise. Là, tu sais. Oui. Mais c'est sûr que oui, on va avoir besoin d'aide dans pas long. Ah oui, bon. Oh, oui. Alors, autrement dit, on crée de l'emploi. Ben, je pense bien que oui, oui. Maintenant qu'on connaît les heures d'ouverture, c'est quoi que vous vendez? Bon, je sais que c'est du pain, là, mais... Bien, grosso modo, on a à peu près toujours 6 variétés de pain. On a toujours du pain blanc à chaque jour, en moule, en baguette. On a toujours un intégral, soit intégral de blé, d'épeautre ou de corazon. On a toujours un pain de céréales qui change à chaque jour. Toujours un pain sucré qui change à chaque jour, un pain salé qui change à chaque jour. Puis un pain au levain. Ça, c'est ça. Ça, ça bouge pas. C'est là à chaque journée. On a toujours des croissants chocolatines, croissants au fromage avec le fromage de la bourgade, croissants aux amandes. Puis on a toujours un petit croissant là, un peu funky. Là. Ça dépend c'est quoi la saison. Là. C'était chausson aux pommes au début, mais là, c'est ça. Ça, on essaye de le changer. Puis selon ce qui est disponible. Fait que grosso modo, c'est ça, avec des cafés à prendre sur place ou à emporter. Là, tu dis que, dépendamment des jours, c'est pas nécessairement toujours les mêmes pains que le client va avoir. Non, il y a des choses qui changent à chaque jour. Là, on veut faire un petit menu là, dans pas long, là, pour vraiment, mettons, le mardi, c'est toujours le pain à l'érable. Pour que les gens savent. Ah oui, OK. Ouais, c'est ça. Mettons, là, comme là, le samedi, c'est toujours le pain au fromage, comme salé. Puis c'est toujours un pain sucré, c'est le chocolat canneberge. Fait que tu sais, il y a des pains déjà qui sont définis, mais là, on attend encore un peu, là, on se donne un petit peu de temps pour voir qu'est-ce que la clientèle aimait, puis les ouais, demandes. Oui, mais là, ben quoi, ça fait juste un petit peu plus que 2 mois que vous êtes ouvert. C'est ça. Donc là, tu es en train de jauger ce que la clientèle aime. Oui, c'est ça. Puis là, tu vas te faire un menu après. Exactement. Après ça, les pains vont rester comme ça, puis ça ne bougera plus. Tu sais, les gens vont savoir que le mercredi, c'est le pain, l'intégrale d'épaule qui est toujours fait. Fait que, tu sais, ils vont s'habituer comme ça. Puis après ça, bien, on va en créer d'autres, mais tu sais, ils ne seront pas sur le menu. Fait que des fois, c'est des découvertes ou des pains de la semaine, exemple. Fait que... Ça fait, comme je viens de le dire, un petit peu plus que 2 mois que vous êtes ouvert. Est-ce que vous regrettez de vous être installé à Thetford? Non, ça on ne regrette pas du tout. Non, non? On a eu peur à certains moments. Hein, c'est tout le temps, c'est comme se lancer dans le vide un peu. Mais non, on est très content. On est bien content de notre choix. Ouais. Tu me disais que le fait d'être venu durant la période estivale, ça a été une bonne façon de tester le marché et de vous faire connaître. Oui, exactement. Au marché, c'était au-delà de nos attentes. Le marché nous a amené une clientèle, ça nous a permis de connaître beaucoup de monde, de dire qu'on savait déjà l'endroit où qu'on était pour se partir. Fait qu'on le disait, on va se partir bientôt à l'automne. Fait que, tu sais, déjà, on a pu faire notre Facebook, puis il y a des gens qui sont restés en connexion, tu sais, puis qui attendaient qu'on ouvre. Fait que, non, ça a été très bon, le marché public pour nous autres. Tu me disais juste un petit peu avant le début de l'émission que ta conjointe et toi, vous êtes les parents de 3 enfants. Oui. Mais le père, lui, il se lève à quelle heure le matin pour commencer à pétrir ou à boulanger? Le père, il se lève à 2h30, puis il arrive, c'est ça, vers 3h, là, on part les fourneaux. Ah. Fait que, ouais. Mais c'est correct, c'est un bel... on est tranquille au début de la nuit, fait qu'une petite sieste l'après-midi avant que les enfants reviennent de l'école, puis ouais. Mais ça va bien, c'est correct. À 3h, les fourneaux sont allumés. Oui, exact. Puis les premiers pains... Les premiers pains, ils commencent à sortir vers 6h. 5h30, 6h, là, j'ai des choses de cuit. Fait que, puis après, la porte est déjà ouverte. La porte est ouverte. Parce que c'est écrit sur ta pancarte, là, de l'aube à 17h. Exactement, il n'y a pas d'heure précise. Donc, on ne sait jamais. Donc, si je suis à 6h, 7h, je vais aller me chercher un pain... Frais et chaud. Ah, top frais. Oui, exactement. Non, ça va être très frais. Ah, bon, frais. Bon. Alors, oui. 3h. Maintenant, tu m'as parlé de différents pains blancs, pains sarrasins, épeautres et tout ça. Ta farine, tu la prends où? Toutes nos farines, bien, la plupart de nos farines viennent d'un moulin de Promel qui est à Quaticook. Tout ce qui est intégral de blé, l'épeautre, le sarrasin. Toutes ces farines-là poussent à Quaticook. Ah sur, oui? Oui, sur une... Donc, mais c'est vraiment là... Oui, c'est vraiment... On voulait prendre... Bien, c'est ça. On voulait avoir un moulin qui n'était pas trop loin. C'est à peu près à 100 km d'ici. On prend toute la farine, c'est ça. Nos variétés de blé, d'épeautre, tout ça, on le prend là. Puis notre farine blanche vient de Moulin de Soulanges, qui est un peu plus gros dans le coin de Montréal. Puis d'un autre moulin aussi, les cèdres. Que c'est un moulin biologique, fait que
75 % quasiment de notre farine est biologique, en fait. Mais tu sais, on ne le marque pas nulle part, mais c'est ça. C'est un choix aussi. Tout notre blé vient du Québec. Notre blé, notre épeautre, notre sarrasin, notre seigle vient du Québec. C'est bien important pour nous autres. Fait que c'est ça, c'est des belles variétés. Alors, on dit un produit québécois, point à la ligne. Le plus possible, oui. Ouais, même biologique. Mais... Oui, bien, c'est ça. Ben, tu sais, quand c'est possible, moi, tant que ça pousse ici, puis si c'est bio en plus, ben tant mieux. Fait que, Et tu me dis que ça fait 20 ans que tu es boulanger. Oui. Tu as appris ça où? Est-ce que tu es allé à l'école ou... J'ai pas eu le temps d'aller à l'école. J'ai appris ça sur le tas, ouais. Ah oui, bon. À un moment donné, j'ai commencé à Porteuse de pain sur la rue Cartier à Québec. Dans le fond, j'ai commencé là avec un Français puis un Polonais. Au début, j'y allais juste pour voir. Puis tranquillement, pas vite, j'ai commencé à mettre la main à la pâte. Puis j'ai adoré ça comme feeling, comme métier. Fait que j'ai commencé à apprendre avec eux autres. Après ça, au pain Gruel sur la rue Saint-Jean à Québec. Puis j'ai eu une opportunité de retourner dans mon coin, dans le coin de Trois-Rivières. Il y avait un emploi au panetier. Fait que j'ai été travailler pour la dame qui avait ça. Puis un an après, elle m'a offert de vendre. Fait que j'ai même pas eu le temps d'aller suivre mon cours. Tout est allé très rapidement. Fait que j'ai acheté tout de suite là, le panetier en 2002. Puis après ça, bien, tout a déboulé, tout a été bien vite. Fait que... Et là, tu voulais te rapetisser un petit peu, devenir un peu plus artisanal, parce que, si j'ai bien compris, à Trois-Rivières, ça commence à être gros. Là. À Trois-Rivières, on avait une bonne... Au début, c'était tout petit, mais là, on était rendu, on était 25 employés, où ce qu'on était au panetier. Puis mon associé voulait en partir une autre. Puis là, c'est ça, moi, j'étais comme pas... Ah, je trouvais que j'avais assez de... J'en avais assez comme ça. J'avais le goût de me repartir d'autres choses puis de faire un peu de service, un peu de. Pas juste la paperasse. Des fois, là, je voulais retourner juste faire de la boulangerie, faire un peu de service, être plus en contact avec les gens. Puis tout ça. Alors, un autre défi. Ah ben, en tout cas, bravo, hein, parce que je peux te dire que ton pain, il est délicieux. Ben, merci. Alors, j'avais le plaisir de recevoir le nouveau boulanger de la boulangerie La Réserve, Francis Olivier Camiré, qui est copropriétaire avec sa conjointe Jeanne Allen. Je vous le dis, allez goûter à ce pain-là, vous ne vous en passerez plus après. Restez des nôtres, on continue l'émission dans quelques minutes. Comme deuxième invité à l'émission aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir quelqu'un qui vient de très loin, qui a traversé le corridor pour entrer dans le studio, quelqu'un qui travaille dans un local... du Centre communautaire Marie-Agnès Desrosiers, la directrice du groupe groupe d'entraide Cancer et Vie, Mélissa Gagné. Bonjour, Mélissa. Bonjour. Parce que là, je suis en train d'oublier le mot entraide, hein, puis c'est important pour vous autres. Hein. Oui, très important. Faut tous les mettre, les mots. Oui, alors, groupe d'entraide Cancer et Vie, qu'est-ce que c'est, ça, ce groupe-là? Bien, ça fait plus de 10 ans déjà qu'on existe, puis nous, on vient en aide aux personnes atteintes de cancer de la région et leurs proches, en leur offrant différents services puis des activités qui visent à améliorer leur qualité de vie tout au long des étapes de la maladie. Tout un contrat. Oui, effectivement. Ça fait combien d'années que tu es au groupe? Bien, je te dirais, ça fait 10 ans. Il y a la première année que j'étais pas là. J'ai seulement manqué une année là, depuis les débuts. Donc, tu as commencé très jeune. Ben oui. Vous êtes deux, hein? Il y a Marie-Claude aussi. Oui, exactement. Ma collègue Marie-Claude Bernard est intervenante, puis moi, je suis directrice de l'organisme. OK. Bon, c'est beau dire qu'on vous a aidé des gens, là, mais de quelle façon? Quels sont les services que vous offrez? Oui, on aime faire un rappel de tout ce qu'on peut faire, dans le fond, pour les gens, parce que ça demeure méconnu. C'est quand on en a besoin qu'on cherche à savoir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on offre, mais on aime, c'est ça, le rappeler là, de temps en temps aux gens. Donc, un service qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup en demande, c'est celui du transport, parce que les gens ont parfois à se faire traiter à Lévis, à Sherbrooke, pour recevoir de la radiothérapie principalement. Puis, des fois, ils n'ont pas de voiture, sont stressés de prendre la route l'hiver ou tout ça. Mais là, on leur offre la possibilité qu'un bénévole les accompagne. C'est la voiture du bénévole. Donc, le bénévole va chercher la personne à la maison, le reconduit à son rendez-vous, reste avec lui la durée du rendez-vous, puis le rapporte à la maison.
Donc, c'est vraiment un service qui est vraiment primordial parce que c'est ce qui permet aux gens de soigner, là, de se rendre à leurs rendez-vous médicaux. Et tu me disais juste un peu avant le début de l'émission que c'est un service qui est appelé à augmenter de plus en plus? Vraiment, c'est en croissance toujours à chaque année. Ça a commencé plus petit, puis là, ça prend des grosses sommes d'argent, c'est certain, parce que ça monte vite là, au niveau du transport, le remboursement des coûts de déplacement, les frais de stationnement qui sont élevés aussi et tout ça. Puis nous, bien, c'est pour les personnes à faible revenu, il faut le spécifier. On l'offre gratuitement pour les personnes à faible revenu. Ah, gratuitement? Oui. Oh. Et puis, il y a possibilité aussi, si les gens ont un revenu plus élevé, ça peut leur être offert quand même, mais là, ils devront défrayer une partie du coût. C'est ça. Je me souviens, lors d'une assemblée générale annuelle de la Caisse des Jardins de la région, mm-hmm. que le groupe d'entraide Cancer et Vie, vous aviez remporté la cagnotte. Et la présidente, à l'époque, avait dit, Mme Denise Bouffard, mm-hmm. avait dit que l'argent servirait exclusivement, justement, au service d'accompagnement transport. Exactement. On avait reçu un 12 000 $ de la caisse à ce moment-là, qui nous avait aidé énormément. Ceci dit, il a été très vite écoulé, ce montant-là, parce que, comme je vous dis, il y a vraiment beaucoup de sous qui vont dans ce service-là. Donc, on est toujours à la recherche de financement pour pouvoir continuer d'offrir ce service-là qui est vraiment apprécié par les gens, qui est primordial. Là. Donc, ouais. Ça, c'est accompagnement transport. Là, oui. Je vois ici, là, accompagnement jumelage. Oui, ça, c'est un autre type d'accompagnement. Dans le fond, c'est que les personnes qui vivent avec la maladie, parfois, peuvent être isolées. Ils peuvent pas vouloir en parler à leurs proches pour pas les inquiéter et tout ça. Donc, nous, il y a possibilité qu'un bénévole rende visite à domicile, à la maison, à la personne, que ce soit juste pour échanger, parler, si la personne a besoin de sortir, le bénévole peut l'amener prendre un café. Fait que c'est vraiment de l'accompagnement pour être là pour la personne, pour l'écouter en cas de besoin. Souvent, ça prend forme d'un avant-midi par semaine. Bien souvent, c'est une rencontre par semaine, une visite. Puis pour les gens isolés, seuls et tout ça, c'est vraiment important pour eux d'avoir cet appui-là. Accompagnement en chimiothérapie. Oui, on est aussi présent, il faut le rappeler, à l'hôpital de Thetford, pas tous les jours, du mardi au vendredi en avant-midi, directement au département de chimiothérapie, donc vraiment où les gens reçoivent leur traitement. Puis aussi dans la salle d'attente, c'est les personnes qui attendent de rencontrer l'oncologue et tout ça. Donc, c'est vraiment au cœur de ce que vivent les gens. Puis on est présent, nos bénévoles, pour les écouter, pour les renseigner sur nos services. Donc, on est sur place, les gens ont besoin, il ne faut pas qu'ils hésitent. Et juste l'autre bord du corridor, vous avez des cafés rencontres, ouais. Rendez-vous, là. Oui, c'est une autre façon qu'on vient en aide. Dans le fond, les gens, ça peut vraiment leur faire du bien de pouvoir échanger avec d'autres personnes qui vivent des situations qui ressemblent à la leur, qui ont un cancer, pas nécessairement le même, mais qui vivent les mêmes étapes et tout ça. Donc, entre eux, les gens, ils s'entraident vraiment beaucoup, ils se donnent des renseignements et tout ça, puis ils se développent des belles amitiés entre les personnes. Puis ça, c'est une fois par mois pour les gens, c'est le lundi matin, on leur offre un petit déjeuner gratuitement, c'est une activité gratuite, puis c'est Marie-Claude Bernard, l'intervenante, qui dirige tout ça. Donc, une rencontre par mois, nous, on a trois groupes, fait que ça nous fait trois semaines sur quatre là, qu'on a des groupes, des beaux groupes de 10 à 12 personnes, puis ça va super bien, puis... Les gens reviennent toujours. Là. On parle de groupe, mais il y a possibilité d'avoir des rencontres individuelles aussi. Oui, justement. Des fois, la formule de groupe peut plaire moins à certaines personnes qui aiment mieux parler juste à notre intervenante. Donc, Marc-Claude fait des rencontres individuelles aussi, selon les besoins des gens. Ils ont seulement qu'à téléphoner, puis à prendre rendez-vous. Puis c'est une autre belle façon de pouvoir échanger, puis d'avoir du soutien. Oui. Et quand, comme vous êtes nos voisins ici, là, mm-hmm. alors quand on va dans votre local, on voit que vous faites près de prothèses capillaires et des foulards aussi. Hein? Oui, ça aussi, c'est souvent, en fait, la porte d'entrée. Des gens se font renseigner à l'hôpital. Vous devriez aller à Cancer et Vie. Ils ont des foulards, prothèses capillaires. Puis là, une fois qu'ils viennent chez nous, qu'ils utilisent ce service-là, après ça, bien là, ils voient tout ce qu'on fait d'autre. Oui, souvent, oui. Ils viennent à nos autres activités, tout ça. Puis c'est vraiment un beau choix qu'on a, là, oui, de prothèses capillaires, foulards. On en achète du neuf régulièrement, puis les gens sont satisfaits des produits qu'ils trouvent chez nous, là. Et il y a possibilité d'avoir de la documentation aussi? Oui, même chose. On a une grande variété de volumes, livres, tout ça, sur le cancer, psychologie, divers sujets que les gens peuvent emprunter gratuitement. Ça, c'est au niveau des services. Oui. Allons-y rapidement. Il nous reste seulement 5 minutes. D'accord. Au niveau des activités. Oui.
On a vraiment beaucoup d'activités. C'est vraiment selon les goûts ou intérêts. Il faut se rappeler que c'est toujours dans le but de briser l'isolement, créer un réseau social. On a des activités créatrices comme du tricot, fauve-trail, peinture, des activités physiques pour la détente, gestion de la douleur. On a du yoga stretching là, qui va commencer cet hiver au CAPS. C'est super apprécié. On a toujours beaucoup d'inscriptions. Ça fait vraiment beaucoup de bien. Sinon, on a des activités intellectuelles comme du cerveau actif qui est donné par l'escale. On a un beau groupe. On a des rallyes maison que les gens peuvent faire aussi. On a des ateliers plus comme de croissance personnelle, de une année pour mieux vivre. C'est ma collègue qui le donne aussi. Ça dure sur un an. Il y a un thème qui est abordé par mois. Donc, les gens se suivent le groupe pendant un an au complet, puis ils évoluent à travers différents sujets qui sont abordés, tout ça. C'est super intéressant. On a des ateliers inspirés de l'art-thérapie, d'art et connaissance de soi, qu'on appelle. C'est 6 projets d'art, dans le fond, qui sont réalisés, puis il y a façon d'interpréter ce qui a été fait, puis il y a une signification à travers ça. C'est super intéressant, ça aussi. Là, je vais vite tout d'un coup parce que vous m'avez dit qu'il reste 5 minutes. Oh, oui, vas-y. C'est pour ça que je te laisse aller, là. Ensuite, on offre aussi des ateliers culinaires maintenant. Donc, c'est un après-midi par mois qu'on se rencontre dans la petite cuisine ici au 3e, puis qu'on fait des recettes, tout simplement. Un autre beau moment, dans le fond, pour rencontrer des gens, puis en même temps, donner le goût de cuisiner. Des fois, en traitement, c'est moins facile à ce niveau-là, les mots de cœur et tout. Fait que des fois, ça peut apporter des nouvelles recettes qu'on peut faire. On a des conférences mensuelles chaque dernier lundi de chaque mois. C'est toujours des sujets intéressants qui interpellent les gens qui ont besoin d'entendre parler pour se renseigner, tout ça. Donc, c'est gratuit aussi. On a un film à chaque mois aussi qu'on présente, une autre façon de sortir de la maison, venir se détendre. Fait que les gens sont invités. Puis on a des sorties saisonnières, cabane à sucre, dîner de Noël, etc. Donc, les gens ne s'ennuient pas lorsqu'ils décident de devenir membres quand ça arrive. Depuis le tout début là, de l'émission, je t'entends parler de bénévoles. Oui. Je pense que tu as besoin d'une armée de bénévoles. Vous êtes seulement 2 permanentes. Là, exactement. Mais vous avez une armée de bénévoles. Oui, ça en prend vraiment beaucoup parce que, comme tu dis, on est 2 seulement. On n'y arriverait pas seulement qu'à nous 2, c'est certain. On est plus là, nous, pour superviser, diriger, pour que tout aille bien et tout ça. Mais quand que je te parle de bénévoles qui vont à domicile, des bénévoles... Ou qui descendent à Sherbrooke pour un traitement... Ça, c'est les bénévoles d'Action volontaire, parce qu'on a une collaboration avec eux. Ben oui. Sinon, ben, nos bénévoles sont en chimiothérapie à l'hôpital ici. C'est ça, à domicile, on a besoin pour notre comité de financement. Donc, vraiment à différents niveaux. Donc oui, les personnes intéressées sont toujours les bienvenues à se présenter à nous, puis... nous mentionner leur intérêt. Ils ont juste à venir ici au centre communautaire. Oui. Puis, vous avez vos bureaux, vous êtes toujours là. Exactement. En tout cas, presque toujours là. Oui, ils peuvent appeler avant là, pour s'en assurer, oui. Il nous reste moins que 2 minutes. Donc, vous avez besoin d'argent pour faire tout ce que vous faites. Là. Exactement. Et là, je vois ici financement. Oui. Nous, on a une subvention de base récurrente du ministère de la Santé. Ça, c'est réglé, c'est correct. Mais au-delà de ça, on a besoin de plus parce que sinon, on ne réussirait pas à faire tout ce qu'on fait. Donc, c'est pour ça que dès quelques jours, d'ici quelques jours, en fait, on va être présent au IGA Saint-Pierre et Fils à Thetford les 27, 28, 29 février. Et puis, on tient un petit kiosque d'information et de sollicitation. OK. Donc, les gens sont invités à venir nous voir. S'ils ont des questions, ça va nous faire plaisir de leur répondre. Puis, en même temps, mais s'ils désirent faire un don à notre organisme, c'est une belle façon de nous soutenir aussi. Donc, ça va commencer par ça cette année. Suivra ensuite le dimanche 8 mars un brunch bénéfice en collaboration avec les Chevaliers de Colomb. Va avoir lieu à la salle Émilienne Gourde à Thetford. Et les vieux comme moi ont dû le centre comment qu'on appelait ça, là? Chalet des sports, oui, c'est ça, chalet des sports. Oui, donc, centre Émilienne Gourde, 8 mars, on vous invite aussi, oui, c'est ça, à venir nous voir, ça nous aide aussi beaucoup. Et puis, je voulais aussi mentionner, pour terminer, samedi le 25 avril, c'est plus loin un petit peu, mais il va y avoir un souper à East Broughton et ce sera la dernière édition cette année. Ça va faire 10 ans qu'on fait cette activité-là. Puis là, on a décidé de boucler la boucle à East Broughton. Donc, ça va être une édition spéciale pour souligner notre dernier souper. Donc, les gens sont invités à y participer aussi.
Donne-moi le numéro de téléphone pour les gens qui voudraient avoir plus de renseignements ou qui voudraient devenir bénévoles. Alors, oui. C'est 88? Oui, 335-5355. C'est 335-5355. Exact. Bien, merci beaucoup, Mélissa. Merci à toi. J'avais le plaisir de recevoir la directrice du groupe d'entraide Cancer et Vie, Mélissa Gagné. À la semaine prochaine!